Et si on souriait? Le sourire vous va si bien! Je m'appelle Alexandre, j'ai créé la Fabrique Spinoza il y a 8 ans. J'en suis le fondateur, Alexandre Jost. En fait, je pense que j'ai un léger déséquilibre neurobiologique positif. Quand j'avais 22 ans, j'avais des crises de bonheur, j'étais très heureux et j'avais envie de comprendre pourquoi. Et j'ai vu qu'il y avait une science du bonheur, des biologistes, des neuroscientifiques, des économistes du bonheur. Et je me suis dit, cette connaissance-là, faut l'amener à des endroits où ça compte, au pouvoir public, aux entreprises, à nous tous, pour finalement que collectivement on se dise comment on crée un cadre favorable à l'épanouissement dans notre société. La Fabrique Spinoza, c'est aujourd'hui le mouvement du bonheur citoyen. On pense que chacun d'entre nous peut être acteur du bonheur citoyen. Pour ça, on produit des savoirs, des réflexions, des études pour éclairer chacun d'entre nous dans ses réflexions, pour être un meilleur acteur du bonheur. Ensuite, on crée des outils pour accompagner les gens, les entreprises, pour le favoriser. Et surtout, aussi, eh bien, on a créé une communauté de passeurs du bonheur qui, rassemblés tous ensemble, comme citoyens, se donnent de l'énergie pour monter des projets en faveur du bonheur citoyen. Mon rêve dans le champ du travail et de la société, c'est que on puisse tous réaliser la puissance que l'on a pour favoriser le bonheur autour de nous. Le bonheur citoyen est l'affaire de tous, que vous soyez intéressé par la démocratie, l'éducation, la santé, peu importe, rejoignez-nous et soyez actifs pour une société plus heureuse.